Hot dog au dentifrice, frites à l'acide, milkshake à la moutarde. Dans cette vidéo, il va falloir éviter les pièges et pour commencer... Il y a 4 Big Mac, l'un est piégé, le but pour la personne qui l'aura, ne pas se faire démasquer. Faut commencer. Ah oui, ah, ça a pris... Non, 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 c'est bon, c'est le mien. T'es un malade, t'es fou. Oh non. Prends ton Big Mac, toi. Oh là là. Oh, le petit Big Mac à 9h30 du mat, là. Pas de petit déj, rien. Toi, tu vas le sentir. Moi, en vrai, il est bon, Big Mac, hein. Why? Et moi, je suis avec 3 menteurs ici. Ouais. Moi, je vous dis, mon Big Mac, il est délicieux. On retape un croc? Non, non, lui, il est trop safe, ça va, c'est OK. Maxime, il débite. Wow, c'est moi, bon. Je pense que c'est la strat de Maxime, ça. De parler? Non, de manger beaucoup. Voilà, Cédric. Il a des yeux d'un gars qui a mangé un truc pas bon. Toi, t'as pas l'air hyper... Un petit croc? Si tu veux. Moi, j'ai déjà mangé ce matin et je suis en diète, mais j'ai aucun souci. Oh, l'excuse de la diète. Pardon, la strat de la diète. Denis, j'ai vu un menteur qui a raison, je m'assois. Tu parles pas beaucoup, mon ref. On est en train de manger, frère. Ah, il fait genre, je suis en train de manger. Ça pique, hein. En gros, il est tellement sec. Donc, pourquoi il boit? Depuis tout à l'heure, il boit de l'eau. Depuis tout à l'heure, gros, c'est la parole. Je suis un menteur, carrément. Je suis un menteur. Non, t'as pas le droit de parler, t'as pas le croc. Mais pas la peine. T'as pas le croc. Les gars, si vous me faites confiance, ne votez pas pour moi. Ça, c'est la strat pour t'as pas le croc. Je tape un croc. Tape un croc. Un gros de bonhomme, frérot, s'il te plaît. Un croc de bonhomme. C'est quoi ça? Il a pris un demi-quart de croc. Phase numéro 2, il rentre dans une phase d'acting. Il fait exprès d'être mauvais acteur. Regarde. On passe au vote. Ouais. 3, 2, 1. Charles. Cédric, t'as les yeux rouges, j'aurais dû voter pour toi. Non. Mais gros, tes yeux, ils brillent, tu as pleuré carrément. Oh non, il pleure. Regarde, ses pupilles sont dilatées. Mais je ne pleure pas, gros. Tu pleures, gros, tu pleures. Allez, l'imposteur peut se lever. Ah, c'était moi. Non. Bien sûr. Le mec, c'était sûr. Mais les gars, comment vous avez cramé? En vrai, c'était dégueulasse, hein, par contre. C'est des coups de girofle, non? Son Big Mac, il est miné. Son Big Mac, il est miné, gros, regarde. En fait, le premier croc que t'as pris, moi, il m'a fait capter qu'il y avait un problème parce que t'as goûté le Big Mac et t'étais vraiment en mode. Et je me suis dit, ouais, c'est pas une réaction d'un mec qui croque dans un Big Mac. Les gars, vous savez, maintenant, vous pouvez me faire confiance. Parce que je ne vous ai pas menti. Moi, j'ai pas menti non plus. Les règles sont simples. Pour marquer un point, il faut soit trouver le piégé, soit être le piégé et ne pas se faire démasquer. Manche 2, hot dog au dentifrice. Manche numéro 2, et là, c'est un... Range tes mains, toi. Non, y'a pas range tes mains. Et là, manche spéciale. Oh, j'ai même... Voilà, mais moi, à chaque fois. Et là, on va attaquer. Et c'est un sandwich d'ici, c'est le Lil Meat. Apparemment, c'est incroyable. Il a l'air super bon. Il a l'air incroyable, il fait peur tellement il est bon. Et à skip, il faut bien mâcher. En bonheur. Mais toi, t'as pris le con, tu vois, on a ah, bon. Il est bon, hein. Pourquoi, tiens, il est vert? C'est la salade. Ta sauce, elle est bleue. C'est pareil. Non, pas pareil du tout, regarde. Ta sauce, elle est dentifrice, genre. On tape un croc vite fait, là, au milieu, là. Montre-nous que c'est, ouais, montre-nous que c'est une sauce normale. Pas bien. Tout de suite, montre-nous. Regarde. T'as pas croqué, là. Moi, j'ai capté, hein. J'ai vu, il avait des larmes quand il a commencé à goûter. Je me suis dit, c'est obligé, il a pas un bon truc. T'as voulu faire des vannes, mais en fait, là, tu te douilles. En vrai, de vrai, les gars, pas plus. C'est une dinguerie, le Lil Meat. Soukou, il a une haleine particulièrement fraîche, hein. Ah ouais, fait. Comme si, genre... J'ai une roche. Je viens de se laver les dents, frérot. Oh, tu l'as senti ou pas? Bon, j'ai l'impression qu'on peut passer au vote. Au hasard. Arrête de m'appeler le roi, gros. En plus, je suis désolé. En fait, j'ai capté le truc direct. J'ai vu ta tête. Il t'a snipé, gars. T'avais aucune chance. En fait, j'ai croqué. Je me suis dit, c'est quoi cette odeur de froid, là? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je vais goûter le Lil Meat parce que du coup, j'ai même pas mangé. En vrai, goûte-le, il est hyper bon. J'ai peur. Mais quand t'as peur? Il est bon. Oui, mais par contre, ça m'a dégoûté. Et maintenant, manche suivante, hein. Waouh. Eh. No joke, j'étais même pas au courant. La prod, elle m'a donné un truc comme ça. Je vois quoi? On a un coffre où il y a les 10 pires pièges de la chaîne. Donc de tout ce qu'on a fait, les pires pièges, ils sont là-dedans. Et le grand gagnant pourra donner au perdant un truc à manger. T'es mort. Wesh! T'es mort. Wesh! Attends, c'est une dinguerie de faire ça! T'es mort. C'est une dinguerie de faire ça! Moi, j'étais le gars depuis le début de la vidéo, t'es mort. Mec, je t'ai fait un câlin de soutien. Mon frère, t'es mort. Y'a pas d'amis ici. Manche 3,
frites à l'acide. Non mais t'inquiète, de toute façon là, celui qui va avoir le plat piégé c'est soit Sora soit Charles. Ah mais oui, non mais on sait très bien le karma, il va bien faire les choses. C'est quoi, je suis tellement sûr, choisis-moi mon paquet. Et je choisis le tien. Prends lui. Arrête. Là. Oui. Ok, c'est quoi, toi tu vas prendre celui-là mon petit pote. Et tiens. Oh non, tu l'as bien regardé lui. Oh non, t'as un oh non. Oh non. Oh le bluffeur. Oh le bluffeur. Ça sent des frites. Là, ça sent bien les frites. Ah, je vous le dis, ouais. Les frites elles sont dégueulasses. T'es un menteur. Non, elles sont dégueulasses. Elles sont ignobles. Elles sont ignobles, gros. Déjà, les frites de Borgia. Si tu trouves que t'as des bonnes frites, c'est que c'est bizarre. Hein. Mais gros, c'est bon, c'est Sora. Mais oui. Non, mais. C'est une dinguerie. Alors. Mais... Oh ok. Charles dit que c'est dégueulasse. Il s'est jeté dessus. Ouais, non, c'est pas bon. Gros, c'est du quinoa. C'est du quinoa carrément. C'est du sable. C'est Sora. Alors là, vous moi. Ça a déjà été Tsuku. Ouais. Ça a déjà été moi. Donc il reste que vous deux. Mais c'est une chance sur quatre, y'a pas de ça. Non, ça marche pas comme ça. C'est sur ces soirs, j'ai choisi pour lui, j'ai vu le paquet, gros. Oh la technique. Non, mais je t'ai dit de choisir celui-là. Non, mais c'est immonde. Attends, est-ce que le piège il est. Oui. Bah, j'ai pas moi alors. Saïd, pourquoi tu bois de l'eau? Parce que les frites elles sont sèches. Ouais, ouais. Par contre, j'ai la raison. Ouais. Oh non, Cédric, non. Tu m'as pas fait ça. Non, mais c'est Sora. Oh non. Regardez juste les yeux de Cédric. Ils ont rien, mais. Enfin bon. Il m'a vu, il a pris deux autres tables dans la voix. Allez, c'est bon, je sais. Moi, je l'ai. Cédric, je suis désolé. Hein. 3, 2, 1, go. L'imposteur se lève. C'est de moi. Là. Mes frites sont dégueulasses. C'est quoi? C'est acide à mort, hein. Ouah, c'est dégueulasse. Regardez, personne m'a grillé. J'en ai partout. Moi, mes frites, c'était des bonbons, hein. Mais pourquoi t'as les larmes aux yeux? Mec, elles sont dégueulasses. Mec, elles sont dégueulasses. Là, c'est dans la goutte. Goutte. Non, mais mec, goutte. Masterclass. Mec, mes frites... Ah, ça pique, ça. Mais c'est horrible. Dégueulasse. Mange 4 de l'eau ultra salée. Bon les gars, vous êtes bons là pour manche 4? Les gars, je me mets en mode ermite. Esprit shonen, je vais pas perdre, je pars 2-0, mais c'est pour vous laisser de l'avance. Je prends ça, je m'en fous, j'ai confiance. Par contre, donne-moi ça. C'était pas moi. Non. Moi, je vous laisse. Les yeux qui pleurent de plus. Moi, je me suis fait voler mon gobelet là. C'était ici là? Oh frérot, merci. Merci. Oh merci. Attends, j'ai une vraie question. Il est dégueulasse, mon Attends, gars. Reprenez tous une gorgée. On va tous reprendre une gorgée, je vais vous poser une question. Ok. Il est dégueulasse, mon coca. Ouah. Il y a un mec qui ment. Pourquoi il fait ça? Pourquoi tu fais ça? Après, je vais pas me jeter dessus parce que toi aussi, t'es bizarre. Hein. Non, moi, je te dis, là, il s'est passé un instant de karma. C'est-à-dire que moi, j'étais censé avoir ça. Oui, ça, c'est vrai. Oui. Et là, j'ai un truc qui est bon. Et c'est bizarre parce que moi aussi j'ai un truc qui rebuvons, est un peu rebuvons. Attends. Chacun notre tour. Quoi, chacun notre tour. Okay, voilà, okay, c'est okay, ça. Ok, ça dit les termes. Je commence. Hein, j'ai rien. J'ai rien. Ouais. Ça c'était une vraie gorgée. J'ai pas le droit d'ouvrir ça. Hein. Non, n'ouvre pas, on sait jamais, pas que ce soit piégé. Ah oui. Oh là là. Il a juste voulu faire comme moi. Il a fait le. Non. Y a pas. Je m'en mets partout, mon gobelet est un peu abîmé. Mais en vrai, il est bon. Voilà. Non, mais là, j'ai bu. On recommence. Mais j'arrive pas, j'ai envie de le voter tout le temps. Je vous dis, on est quand même tous des sacrés menteurs. Hein. Je suis taché carrément. D'ailleurs, c'est le bon truc, ça. Il s'est taché. Regardez un peu son hoodie. Ce serait pas ta nouvelle marque. Arrêtez. Merci. Et c'est dispo là? Ouais, c'est dispo. On met le lien en description aussi. Oh, mais c'est plaisir. Ah, oui, ça. Ah oui, putain, merci. Oui, t'as capté. J'adore Pepe Chicken. Ah. Et les, c'est quoi ta strat? C'est quoi ton call, Cédric? S'il te plaît. Moi, mon call, je l'ai déjà fait avec la prod hier. Non, mais arrête, j'ai avoir des problèmes moi. arrête de dire ça, les gens ils me disent. Eh oui, c'est scripté. C'est pas scripté, okay, il faut dire ça parce que c'est pas moi et ça va prouver que la prod n'est pas dans le coup. On sait que c'est vous là! On sait que ça se joue entre vous! Regarde, mais t'as rien quand ils jouent là! Moi je vous dis, c'est pas moi! Est-ce qu'on peut voter s'il vous plaît? On passe au vote. 3! Non mais c'est bien, j'adore, 2, j'adore si on est en train de se passer. 1, go! Non, c'est pas facile hein. Moi je vote Sora. Et quoi? Je t'ai fait un câlin de son frère. Mon frère, t'es mort. Y'a pas d'amis ici. Et quoi? Gros. Vas-y, je vote Sora aussi. L'imposteur peut se lever.
J'ai envie de vomir. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il faut que je crache. Mais les gars, j'étais comme ça toute la vidéo. J'étais comme. Je faisais des regards caméra, je faisais comme ça. Et vous regardez même vu, pas. Et je le faisais vraiment en plus. C'est bien. T'as pris un point. Manche 5. Un wrap pépé chicken avec une sauce ultra pimentée. Charles. On est bon? Charles. Oui. Lui, il connaît, ça se voit. Pourquoi il y a du lait? Il y a du lait parce que probablement que le piège, ça doit être épicé. C'est ma faiblesse, ça. Je te laisse. Arrête, c'est horrible, ça. Je suis sur la strade de... Mais regarde Cédric. Ced, il a faim. Il perd pas de temps, il perd pas. En fait, aussi, c'est que Ced, c'est le client le plus fidèle de Bébé Chicken. Oh, j'ai peur. J'ai trop peur. Moi, Cédric, tu sais comment je réagis au piquant. On a joué ensemble. Ouais, pas bien, il réagit pas bien. Faut regarder les yeux. Moi, je pleure déjà de base, donc ça compte pas. Comme bazar. En tout cas, c'est pas moi. Mais c'est Sora. Mais il veut me faire, c'est une dinguerie. Mais gros, t'as voté 3 fois pour moi. C'est vrai. Mais j'ai eu raison au début. Une seule fois, après tu t'es trompé 2 fois. Donc... Pardon. Oh là. Ah non, mais non. Est-ce qu'on est d'accord que c'est blindé? Ça se sent. Oui. Je fais un drop the wrap. Je peux vous le dire, c'est pas moi. Moi, c'est Tsu, il me... Tape un croc, frérot. Un bon croc. Les gars, il y en a un de vous. Le piment quand il parle. Hein. Je pense que ça doit être moi. Tsuko, tape un bon croc. Alors, regardez-le, s'il vous plaît, faites ma confiance. Tsuko, tape un bon croc. Les gars, ce qui est super drôle, ouais. C'est que là, vous êtes tous en train de venir vers moi et j'adore ça. Pourquoi t'as les yeux qui brillent? Il ne brille même pas. Attends, laisse le feu venir. Moi, je trouve ça marrant parce que Sora, il accuse tout le monde sauf lui-même. Reprends un croc. Très bon. Regarde la tête. C'est bon. Toi, Charles, reprends un croc parce que je t'ai pas vu trop... Attends, j'ai quasiment fini mon wrap, moi. S'il te plaît, regarde ses gros yeux qu'il fait. Regarde, la bête. J'ai carrément, j'ai chaud tellement que c'est piquant. Non, c'est pas lui, regarde, c'est pas lui du tout. Moi, c'est Tsu. Moi, c'est Tsuko aussi. 3, 2, c'est soir. 1, Cédric. Arrête, Tsuko. Le truc qui est drôle, c'est que là, vous allez être sur moi sur toute la vidéo, mais j'ai gagné. J'ai gagné ce point, remontada, et là je sais que tu stresses. Bah j'adore. Je suis désolé, mais ça se voit, c'est toi qui l'as. Ah, il pue le tabasco, c'est une dinguerie, frérot. Tu pues le tabasco. Il pue la sauce piquante. Regarde, juste je pète, je suis désolé. Mais wesh. Mais tu t'es chié dessus carrément. Mais attendez, c'est qui du coup? Il t'a fait pas celui-là, non? C'était Charles. Non. C'est toi qui pue le tabasco. Ouais. Mais gros, mais elle s'était abusée. Dès qu'il ouvrait la bouche, mec, vers moi, ça sentait, même mon nez, il piquait. Je ne sais pas comment il a fait, mec. Dès qu'il parlait, moi, ça me piquait le nez. J'ai cru que j'allais vomir. Et là, je peux vomir encore à tout moment. What? Ouais, c'est archi piquant, les gars. Ça avait l'air archi piquant, sa mère. Je pense que dans la vidéo, tu vas voir les rushs. Je suis comme ça. Je dis, ah ouais, c'est Tsu, c'est Tsu. Eh, les gars, il y avait du rouge ici. C'est pour ça. J'ai regardé la prod. J'avais des lasers dans les yeux. J'avais trop peur, les frères. C'est quoi la sauce qu'il y a dedans? La délicorpion. Ah ouais, gros, ils ont pas rigolé, hein. Oh la mec, sans. Ils ont pas rigolé. Franchement, le truc, il est immonde. Manche 6, un hot tacos au café. À partir du moment où la personne qui a le plus de points, elle peut montrer un petit peu ce qu'il y a à chaque fin de manche dans le coffre. C'est mauvais, ça. Après cette manche, on va voir un peu ce qu'il y a dans le coffre. Ah ouais, ça part direct. Toi, t'es en vif. Moi, je vous le dis, c'est Sora. Mais ouais. Eh, moi, je vous le dis, c'est Sora aussi. S'il te plaît, choisis le mien. Mais tu sais que je suis pas bien. S'il te plaît, moi non plus, je suis pas bien, là. J'ai peur. Eh, soutenez-moi dans les commentaires, par pitié. Oh, il utilise la technique, parce que là... la technique. Oui, j'utilise la technique parce que je suis en PLS. Choisis le mien. Pour cette manche, regardez bien Stakos, c'est lui qui est piégé. Et on va voir comment ça se passe pour lui maintenant. Il est bien, cache bien. Ça, c'est moi, ça? Eh, je vous dis, les menteurs, ils sont là-bas. Sora, pourquoi il faut un pacte? Je lui ai serré la main par réflexe, les gars, je suis en mode automatique. Bah, c'est ce qu'il y a, c'est un tacos, hein? Non, mais j'analyse! On pourrait croire que c'est moi parce que j'ai la bouche tellement pimentée que là, mon truc, il est dégueulasse. Chef, qu'est-ce qu'il y a? T'as encore faim? Oui. Bah vas-y, alors que t'as pas d'autre, t'as encore faim, frérot. Sora, un petit croc? Ouais, bien sûr. Charles, il fait des trucs passifs. En vrai, ce qui me fume, c'est que Charles, quand il ne se passe rien, personne ne le regarde, il fait quand même des trucs genre semblants et tout. Du coup, ça paraît archi réaliste. Est-ce qu'on peut s'arrêter, s'il vous plaît? Pour Cédric, qui a remballé son tacos. Il a remballé son tacos, gros. Il est tout rouge. Roule dans ton tacos, s'il te plaît. Non, enlève le papier, là.
Il faut pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Pas à gauche. Là-bas. Ah ouais. La garniture. C'est bon. Il a changé de couleur. Tu dis ça à chaque fois, tu m'accuses. On va penser que je force avec toi. Mais regardez-le, il est rouge. C'est pas la saturation qui a changé, c'est pas le montage. Hein. C'est vraiment lui. Hein. Attends, moi j'ai quand même un truc que je remarque. Vous savez tous comment ça se mange un tacos normalement. Ouais. Regardez comment en dessous il mange son tacos. Il fait quoi? Il prend le micro. Il a pas envie de manger la garniture. C'est pas bon quoi? En fait, ils sont tous en train de tomber dans mon piège. Ça c'est délicieux. Tsuko, mange en haut. Ça se mange, mais non. Je mange pas comme ça. Mange un croc à l'intérieur. Ouais. Mange un croc vraiment. Mange là. Et je ne mange pas de le tacos comme ça. Eh bah tu changes. Change de technique, vas-y. Les gars, écoutez-moi bien. Dans la vie, il faut savoir dire non. Si le jeu blesse, il faut que ça cesse. Et là, aujourd'hui, je dis non. Parce que je vais garder sur ma stratégie et je veux que tout le monde tombe dans mon piège. Pourquoi okay. Tu veux le Sarkozy, là, d'un coup? Là, c'est la technique, c'est quand t'as plus de cartes en main. Sarkozy. C'est l'imitation, quoi. Je sors une carte au hasard. Vous savez quoi? Les gars, j'allais boire de l'eau et je me suis dit, je vais pas boire parce qu'après, ils vont dire que je suis suspect. C'est une dinguerie, vous vous êtes rentré dans ma tête. Non, mais t'es suspect. Pour moi, on peut passer au vote. Personnellement, je n'ai pas de doute. 3, 2, 1. C'est vrai que c'est pas la bonne strat. Si Sora se lève maintenant. C'est pas moi. C'est qui? Non, Sora. Non, je rigole. C'est pas moi. C'était Wara. Non! Yes! Let's go! Woo! Statistiquement, c'est bon. Non, mais juste regardez mon tacos. Y'a quoi dedans? C'est vrai que j'allais faire quoi avec ça? C'est quoi? Non, mais les gars, c'est du café. Les gars, je ne pouvais pas croquer là-dedans. Vous avez vu la gueule du tacos? Ah ouais. Mais pourquoi il est devenu rouge, lui? Mais gros, mais pourquoi tu votes pour moi? Ça, je te dis depuis le début, arrête! Ok, donc pour l'instant, comme j'ai plus de points, je prends un truc au hasard. Attends, je répète. Là, j'ai pris un truc au hasard. Oh, frérot, il pue la mort. Non. On réagit pas la même chose. Ah oui, ok. Il vient de lâcher un truc, mec. Ça vient des enfers. Ah, c'est des problèmes techniques. Hein, oh, c'est macabre. Manche 7, un Starbucks à la réglisse. Là, il reste 4 manches. Ça veut dire que j'ai voté 6 fois pour Cédric. Ouais. C'est de l'acharnement. Si je vote pas Cédric là et que c'est lui, je vais vriller. Et c'est surtout un truc, ça fait 6 manches. Tu n'as toujours pas mangé un truc mauvais. C'est vrai. C'est Sora qui l'a pour une fois. Je viens de boire. J'ai même pas besoin de boire. Pourquoi? Parce que je sais que c'est toi mon frérot. Pourquoi? Moi j'ai pas capté, mais je pense que ce coup il est rentré dans une phase de genre. Moi j'aime juste folie. Je déteste le café. Donc là, même pas piégé, c'est piégé pour moi. Bah moi, je vous le dis, c'est moi qui ai le piégé. Non, je rigole. Non, le mien, il est incroyable. Moi, je sais un truc, c'est que Sora va voter pour moi. J'ai promis que non. Sora, tu peux boire? J'aime pas le café, frère. Mais moi, je déteste ça aussi. Mais bois. Vas-y, on boit ensemble. Non, juste regarde. De toute façon, j'ai capté, ça pourrait être Charles, il pourrait dire que c'est lui, il s'en fout tellement, il est tellement en avance sur les points que... Ouais. Ah oui, c'est dégueulasse. C'est horrible. Mais par contre, du coup, vu qu'on aime tous les deux pas le café, c'est, ça va être chaud à trop. Par contre, bois un peu. Un petit genre en mode fait ça. Ah, j'avoue, un petit gargarisme groupé, je suis chaud. Oh, j'ai pitié. Non, mais là, sors un acteur parce que moi je déteste le café. Le gargarisme, vous pouvais le faire pendant 20 minutes. Là, t'es un acteur si tu peux pas le faire. Gros, je déteste le café. Vraiment, mes gars, carrément, je m'assois. Qui aime le café ici? Moi. Gargarisme? Moi j'ai hâte que Sora passe son gargarisme. Sora, je le sens pour la première fois, il est en détresse. Là, il s'étouffe là, il se noie. Ok. Maxime. Bon allez, moi on peut passer au vote, hein, les gars, général. Moi je m'attendais à mieux de ta part en tant que menteur. Ouais, moi aussi, en fait je me suis dit première fois. Oh. Attendez. Non. Est-ce que... Oh, on passe au vote, s'il vous plaît, on peut passer au vote, s'il vous plaît, Charles, on va passer au vote. Ok, vas-y, on passe au vote. Non, j'ai senti une odeur. Bon, allez, on passe au vote. Ouais, j'ai 3, 2, 1, Maxime, Sora, allez, c'est toi. 1 pour Céd, 2 pour moi et 1 pour Sora. 3, 2, 1, l'imposteur peut se lever. C'était vraiment dégueulasse. Ouais, putain, j'en étais sûr. Par contre, mec, gros, tu m'as fait trop peur. Pourquoi tu m'accuses comme ça devant tout le monde? Garde-le pour toi, je sais pas, fais un truc. J'ai voté 6 fois contre lui. 6 fois contre lui. Et c'est au moment où je vote pas contre toi, c'est toi. Et il est perdu d'avance. Il reste 3 manches. On va déballer un petit truc, là, je me sens... Ouais, mais moi, je suis performant aujourd'hui, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, là? Allez, je prends un autre truc au hasard. C'est quoi, ça? Ouah.
Ah, c'est le fromage dégueulasse là en spray. Waouh, oh là là, c'est Warren qui va manger, c'est Tsuku qui va manger. Oh, dégueulasse, dégueulasse. Regardez ce que Tsuku il va manger, regardez. On a un point d'écart, frérot, c'est rien. Mais pourquoi t'as pas essayé de me convaincre que c'était pas toi? Mais parce que c'était évident que c'était pas moi, je l'ai dit, c'était du café, j'aime pas ça. Ah, c'est Cédric qui est en avance. Bah oui. Oh, et ça veut dire qu'en termes de points, 5, 3, 2, 1. Mais oui. Mais je t'avais dit que je faisais une stratégie long terme depuis le début. Hein. Eh ben, vous savez quoi? Manche suivante. Manche 8, des croustilles chèvres au Ricard. Non, bah nickel, j'ai même pas eu le temps d'annoncer la manche. Voilà, super, il me reste ça. Oh putain, le mien, il sent la merde. Alors par contre, premier degré, quand ça a pris les chèvres, ça les a ouverts, il y avait une odeur de zinzin quand il y en a un qui l'a ouvert. Ah non. T'en as mangé un toi comme ça? Non, moi ça pue la. Vous l'avez mangé en entier ou pas? Ouais, moi je l'ai mangé en entier, c'était pas. Voilà. T'as mangé de Tsuku? Ouais, regarde ce que j'ai mangé. Tu peux manger un petit peu plus s'il te plaît? T'as pas confiance en moi ou quoi? Eh, hey, bizarrement dans cette vidéo, personne n'a confiance en moi, je comprends pas. Excelsior. Il a raison, c'est très très bon. Y'a que lui qui a dit que c'était dégueulasse. Non, moi c'est dégueulasse, franchement j'aime pas. C'est probablement moi, je vous le dis. C'est probablement moi. C'est probablement moi, c'est il a dit. C'est probablement moi. Oh mec, vraiment j'ai juré, ton sachet il sent d'ici ouais. Gros. Mon sachet pue la. Mais c'est vrai que sens, tu sens l'odeur? Non. Mais là tu forces quoi. Toi ils sont normaux. Non mais j'essaie de savoir si j'ai le plat piégé. Toi en vrai, c'est bon non? Normal. Il a rien, ça me casse les couilles, rien tout le temps. Moi c'est la première édition, je pense que la prod elle a voulu être gentille avec moi. Moi j'en ai déjà mangé deux hein. Ah moi j'en ai mangé trois mais ça me gave. T'en as mangé trois toi? Je peux regarder si t'en as mangé trois? Oui mais bon après tant qu'à faire, je les mets aussi sur la table, regarde. Il m'en reste deux moi. Est-ce que Cédric, tu veux un point gratuit? Vote contre lui. Mais c'est ce que je me dis aussi. Hein. Pourquoi? Eh parce que les miens ils sont dégueulasses. Mais l'odeur! Tu sens pas que ça pue? Il pue des pieds ton sachet! En vrai, regarde, sans. Ça pue pas. Mais mon sachet il pue la. Je vous jure que ça pue. Tsuku. Tu veux un point? Tu veux comment? Mais toi aussi. Après, je sais que c'est pas toi. En fait, il a mangé tellement sereinement. Moi, c'est bon. Moi, faut arrêter. Sora, il m'accuse depuis le début. Ouais, ça pue. Tout à l'heure, tu m'as dit, frérot. Aide-moi à avoir un point. Je te le dis, c'est lui. Vote lui. Tu sais que là, la concurrence, ça se joue pas entre toi et moi, ça se joue entre vous deux. Ah oui, c'est vrai. Mais frérot, je te jure, je te trahirai pas, t'es un frère. Oh, ça me touche. Mais par contre, Cédric, juste prends-en un dernier. Mais gros, j'en ai mangé trois. À chaque fois que tu me dis ça, moi je les mange. Tu débites exprès pour ça. Tu as goûté pour voir? Moi j'ai goûté. J'ai regardé la caméra, j'étais comme ça. J'ai essayé de savoir si j'avais. Je l'ai Cédric, pas. Cédric, il est safe. Genre vraiment premier degré, je l'ai pas. Et toi, t'es safe ou t'es pas safe? Moi, j'ai hyper safe. Moi, regarde. Hop là, regarde, t'as le petit sachet là. Ça tombe pas. Comment ça, ça tombe pas? Bon, allez, on passe au vote. Prenez tous un point. Il y a un menteur ici. Il a un beau hoodie et une casquette. Et il m'accuse depuis le début. Donc je trouve ça dégueulasse. 3, 2, 1. Oui, moi, Cédric, moi. Attends, vas-y, pourquoi ça se sent, comment ça se sent? Trop tard, mon vote, il est parti. Mais pourquoi il a voté pour moi, Charles? L'imposteur peut se lever. Eh les gars, gros. J'ai même pas mangé un truc. Wesh. J'ai fait semblant de manger. Il a mangé un. J'ai les cartes, regarde. Je tenais comme ça et j'ai dit, moi, il m'en reste plus qu'un. J'ai des plans, littéralement, ça fait. C'est vrai, mais. Et j'ai rien vu. Je suis en train de mâcher comme ça. Ah attends, ouais. Attends, les gars, de toute la manche, il n'y en a pas un de nous trois qui lui a dit mange devant nous. Mais j'ai perdu, moi. T'es un golemon. Je t'ai dit, et un point gratuit, vote pour lui. Et t'as juste creusé l'écart entre nous. Je t'avais tout donné, je t'avais offert un plateau d'argent mec, avec le point. Il faut me t'es pas le montage, t'es pas le montage, il y a un plateau là, il y a un point là, regarde. Hop, il était pointé, je te le donnais carrément. Bon, moi j'ai évité le pire, manche suivante. Manche 9, donuts à la marmaille. Écoutez les gars, écoutez-moi bien, si j'ai un 10 sur 10 sans plat piégé, j'embrasse tout. Bah après, je suis d'accord. Et récap des points, 5, 4, 3 et 1 point. Les gars, je vais pas abandonner, je le fais pour vous. Seul scénario où tu pourrais gagner, c'est moi j'ai 0 points et toi tu m'as 2. Je m'en fous, je ne vais pas abandonner, je le fais pour vous la famille les gars, je vais gagner. Alors moi c'est pas... Oh non, je vais prendre le rouge. Oh non, pas le chocolat les gars, celui que j'aime le moins. Moi je voulais pas les gars, ça pue la sauce soja frérot. Après le vert il est grincheux aussi. Les gars, c'est sauce soja ça, qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas du chocolat, c'est pas du caramel ça. Moi j'ai plus trop faim. Wesh, le croc là-bas. Aïe. Tu le veux? Pas trop le malin par contre. Non, ouais. Mange le tien. Par contre, je suis abattu, mais le mien il est. Tu ne l'as pas, il est pas très bon quoi. Recroque. J'ai juste envie de te voir souffrir, je pense. J'en ai rien à foutre. Oui, mais avale. Moi, je pense que ce rat, c'est la première fois, il a un truc pas bon. Je peux le manger en entier, frérot. C'est quel goût? Bah, caramel, mais c'est un caramel hyper amer. Un caramel qui est vraiment pas bon. J'ai jamais entendu dire quelqu'un, c'est un caramel amer. T'es dans la food, s'il te plaît. Depuis quand le caramel est amer? Oh
là, je te sens bizarre. Ah, non. Je te sens... Non, je mange. Mais ça veut rien dire que tu manges. C'est pas un argument que tu manges. Pour me convaincre, tu devrais me dire, mec, il est grave bon. Après, pas, je mange. Mec, après, pour sa défense, il sait pas convaincre après, les gens. Par contre, non, mais les gars, vous êtes en équipe ou quoi? Pour sa défense, lui est venu avec son avocat. Et Cédric, par contre, ça mange pas beaucoup. Ouais, parce que c'est pas... Il est pas trop à mon goût. En fait, Cédric, je vais vous dire qu'il est le plat piégé ou pas, je m'en fous, c'est juste pour lui ruiner sa diète. Mange du donut. Ah, ouais. Par contre, Maxime, est-ce que t'as mal au ventre, là? Pas du tout. Mange. Grimpez avec moi dans le bateau. Je fais partie d'équipage, déjà. Je vous emmène sur une destination, c'est le point gratuit. Il s'appelle... Tsuku. Ouais. Tsuku. Toi, tu veux voter Tsuku, toi? Bah oui. Non, moi, je vote Sora. Sora, il est dépité et son seul argument, c'est je mange, mais ça veut pas dire que c'est bon. Non, mais les gars, juste, attendez, s'il vous plaît, juste deux secondes. Ok, d'accord, vous pouvez avoir des suspicions sur qui moi. Qui dit que je suis pas en train de t'avoir, juste, là? C'est qui a tapé un seul croc de merde sur son donut? C'est moi. Regarde! Il a rien dit! C'est maigri de dire! C'est moi. Non, mais Tsuku aussi. C'est moi. Moi, j'avoue, toi. Non, moi, j'aime pas. Chacun un petit croc et on passe au vote. Il vient de dire, moi, j'aime pas. Remange un bout. Non, mais je vais t'expliquer. En fait, Tsu, il a pas compris le principe du jeu. C'est-à-dire que là, en gros, il peut prendre un point facile, il peut grimper avec moi pour une belle aventure. Et non, il fait semblant que c'est lui. Je ne fais pas semblant que c'est moi, c'est juste que j'aime pas. Eh ben, remange un bout, frérot, si t'aimes pas. Fais pas semblant, je mange. Et toi? Moi, je fais ma diète. Non, non, y a pas de diète ici. Ah, y a pas de diète qui tienne. Moi aussi, je vais à la salle après. Oh, l'acteur. Mais pourquoi on dirait du dentifrice au truc? 3, 2, 1. Bah, vas-y. Ah, attends, tu votes moi? Ouais. L'imposteur avec la casquette peut se lever. Ça va, Mike? Je crois que c'est moi, mais je suis pas sûr, mais je crois que c'est moi, hein. Ouais, c'est moi, okay. Non, mais c'est sûr que c'est toi. Mais ça se sent. Oh là là, quel acteur. C'est quoi cette... C'est la sauce soja? C'est de la marmite. C'est dégueulasse. Ouais, en fait, le seul moyen pour que je puisse gagner, c'est qu'il ait le plat piégé. Imagine juste, t'as le plat piégé, tout le monde sait que c'est toi. Égalité entre vous deux, Shifumi, tu gagnes, il perd. S'il y a deux perdants, s'il y a deux perdants. Ah, s'il y a deux perdants, vous mangez... Ah, si vous mangez en bromance. Non. Vous mangez ensemble. Non, les gars, plus à moi. J'ai voté 6 contre lui. Pourquoi à la fin il y a toutes les foudres qui s'abattent sur moi? Je comprends pas. Ça se passait si bien. Manche 10, un milkshake à la moutarde. Bon, cette manche, c'est la dernière, mais en plus elle est très spéciale. Parce qu'en termes de points, 6 et 5, nous on est bien. Mais ici, 3 et 2. Donc à tout moment, vous faites égalité et vous mangez tous les deux. Donnez-moi de la force dans les commentaires, par pitié. Vas-y, Ced, pioche un truc. Ah, trop bien, franchement, je t'aime. Vas-y, Ced, il aime bien piocher dans les coffres comme ça, là. Drôle, c'est quoi ça? Oh là là! Aïe, du dentifrice! On tombe ensemble, on est obligé. Mais les gars, mais pourquoi vous faites des... On tombe ensemble. Ah! Ça, je sais pas! J'avoue que celui-là, je voulais pas le prendre. Bah tiens, je te le prends. Tu le prends? C'est quoi qui sent le piment comme ça? Est-ce que c'est... Oh non, mais j'avoue, pourquoi c'est moi qui l'ai? Le monteur, t'es avec WAP, non? T'es avec WAP, on est ensemble. Avec Bill, ma mère, je perds pas. Par pitié, aide-moi. Tsuku, viens, on vote pour quelqu'un. Il va pas boire? Je connais sa strat. Fais un gargarisme. Non. Fais un gargarisme. Je peux sans problème. Les gars, le mien est délicieux. Bah vas-y, montre-nous. Ouais, c'est carrément la fumée qui sort. Bien liquide par... C'est une glace à la base, hein. Mais moi, c'est glacé, hein. Maintenant, Cédric. Non, moi, je vous parle pas trop, parce que après, ça va sortir l'odeur. No joke, il est trop fort. Il bluffe. Cédric, s'il te plaît, bois. Tsuku, il bluffe. J'ai senti une odeur. Oh, il va juste nous mettre la cisanée entre nous. Mais nous, on est des frères. On est des frères. T'es un chien, je t'ai vu. De quoi, c'est un chien, va. Charles, tu sais, pour le jeu, qu'il faut m'aider. Comme ça, on tombe tous les deux. Mais moi, je suis chaud de t'aider, hein. T'as déjà pris un point avant. Vous avez 3 et 2, c'est-à-dire, il gagne, vous êtes les deux perdants. Ah, mais va te faire fou. Alors? Mais va te faire fou, mais gros. Mais j'aime même pas, je tombe avec toi. Tu tombes seul. C'était mon plat. Tu tombes seul. C'était mon plat. Allez, buvez et on passe au vote, là. Rebois encore. Frère, je me bois. Oui, mais en fait, le truc, c'est que sur une gorgée, on peut faire semblant. Sur plusieurs, on peut pas. J'avais l'eau salée, je sais très bien qu'on peut pas faire semblant. Et bah justement, tu vas nous montrer. Première gorgée. Oh là, ça me paraît. Deuxième gorgée. Non, mais je sais très bien que sur plusieurs gorgées, on peut pas tenir. Deuxième. En fait, il arrive à faire des gargarismes sans liquide. Ok, frérot. Wesh. Ça n'a plus de sens. Vraiment, les deux. Les deux, ils jouent leur vie à base de gargarismes. À vous de prouver. Moi, j'ai rien à prouver, mon gars. Ah, mais c'est quoi?
Il acting. C'est Charles, c'est Charles. C'est Fast Good Cuisine qui a le truc. Je l'ai vu. Je le connais de force. Il a la petite veine à chaque fois. On passe au vote. Attends. Ah, 3 2 Mais non, mais... Non, wow. tu sais quoi, je vais voter pour moi. Cédric. Mais les gars, vous êtes mauvais, les gars, vous êtes mauvais. L'imposteur se lève. C'est moi, mon gars. Et lui, il est là, l'imposteur. Je buvais full moutarde. Ça n'était que de la moutarde. Ma paille, elle est rentrée dans un pot de moutarde. Attendez. Mais le gars n'a pas fait le gargarisme, vous avez pas j'ai voté pas pour lui. Regarde, un pot de moutarde. Ouais. Attendez. J'ai 3 points. Oui, c'est bon. T'en as 5. Mais mec, pourquoi t'as pas voté? Il y a les 10 pièces de la scène. Ma mère, je perds pas. Les gars, je vais pas abandonner. Et le grand gagnant pourra donner au perdant un truc à manger. Je le fais pour vous. Pourquoi t'as pas voté pour Cédric? Mais je savais pas. Mais moi, je vote pour moi. C'est le seul qui fait pas le gargarisme. Mauvaise strat du début à la fin, catastrophique. J'en ai rien à foutre. Esprit Shonen, on est là pour affronter la vie. Eux, ils préfèrent la facilité. Moi, j'aime le chemin de la difficulté. Eh ben, en parlant de difficulté, le cop, c'est maintenant. De base, c'est le gagnant qui doit choisir. C'est vrai. Mais moi, j'ai envie que ce soit Zora qui choisit. T'es un prince. T'es mort. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du coffre. Ouah, c'est la boîte de Pandore. Oh là là, j'ai mis des trucs. Mesdames et messieurs, vous allez dire que je suis méchant et vous aurez raison. Faut savoir que ce coup est un frère pour moi. Pourquoi il fait une Eline allocution là? T'es un frère pour moi et je t'aime. Tu sais que je t'aime depuis la première fois que je t'ai vu. Mais malheureusement, mon frère. L'ail fermenté. Dites-vous que c'est pas juste de l'ail. C'est de l'ail qui a pourri, qui a macéré, qui a fermenté. Et tu dois manger une gousse. Je peux sentir? J'ai ouvert la boîte. Mec, j'ai ouvert le coffre. J'aurais voulu être méchant, vraiment j'aurais voulu être mauvais. Je t'aurais donné la Black Mamba. Premier degré, je regrette, je suis désolé. Regardez la couleur du truc. Frérot, c'est de la purée. Je pensais pas que c'était aussi. C'est grincheux, franchement. Ah ouais, je pensais pas que c'était comme ça. C'est le pire truc. Les gars, je tiens à dire que j'en ai rien à faire. En route vers le million d'abonnés, je vais vous dépasser tous là. Esprit Chanel. Oh là, ça doit être horrible. Oh là. Oh, esprit. Oh non. Coupez. Oh là là, hé. Chef. Ah, c'est horrible. Chef. Esprit Shonen, mais pas longtemps. Esprit Shonen. Et si vous voulez voir un autre épisode, cliquez juste ici.